Ah, il n'y a pas de méca. Il n'y a pas de lapin. Ok. Gojandis sur la passe. C'est quand même le meilleur. Hein. C'est quand même le meilleur. Pirate, Murloc, Dragon, Démon, Bête. Du coup, plein de possibilités. On va voir ce que le jeu me donne. Forcément, les tokens en early, c'est pété. Et puis après, il y a plein de setups possibles. Hein. Comme on l'a dit, avec une Mama et on full boost des bêtes, c'est insane. Avec le via l'aéroport. Avec Bagargouille sur une compo Murloc, c'est fumé de ouf, surtout Stavran. Avec la théière, bien sûr. Avec du Tick sur une compo full mecha, enfin soit. Bon, là, il n'y a pas de mecha donc. Aïe aïe, pas de token, fais chier. It's not a good start. It's not. Ah, j'aime pas ce start. Fuck. C'est pas mieux là. La Yen en vrai. Le problème c'est que elle perd contre la E de Dragonnet. Alors que elle non. Après elle perd contre la paire Murloc. La paire Murloc est plus pique. Ouais, ok. Je vais faire jouer autour des Murlocs qui sont forcément plus piques que Dragonnet. Ok, The Frog, tu restes pour le top avec Jaundice. Je suis pas le meilleur start, mais. Everything is possible. Quel plaisir, Rafam tour 2. Le mieux si possible, c'est évidemment d'avoir Murloc, je pense, dans ce genre de cas. Genre, Bagargouille Murloc, c'est broken, mais pas évident à avoir comme setup. La Yen perd aussi VS la 2 pirate. Ouais. Honnêtement, je pense que vous avez toutes vos chances de l'emporter. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Yeah. Point HP. Un point de vie, c'est important. Je prends. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Ouais. Pas sûr de vouloir grid là. Pas vraiment envie d'y repouvoir là. Juste envie d'acheter ça et acheter ça. Ok. Comme je l'ai dit, de toute façon, j'en dis, ça peut être bien avec Murloc, donc go. Ouais, on peut là-dessus après, mais pas ici, quoi. Vous vous débrouillez vraiment bien. Il est resté. Oh, encore! What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout? Oh là. Ya. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Si on arrive à toucher ça, c'est broken. Après, je peux à la limite prendre les deux avant. Et si j'arrive à le toucher, c'est gratuit, mais. En vrai, j'ai envie d'avoir les trois pirates là. Tu croises les pires héros tous les tours. Ouais, j'ai remarqué. Le truc c'est que je veux pas le dragon de 4 si. Bon en vrai. Au pire je peux le retenter le prochain tour. Bon. Bon j'ai envie de l'avoir gratuit absolument hein. Bon après tu me diras ça va pas changer grand chose en soi que je l'ai comme ça. Ok. Non, le drag dans tous les cas est bien, ouais. Mais. En vrai, c'est pas correct de toute façon que je l'achète ou pas, c'est even. Je vais y repouvoir avant. Je vais y repouvoir avant, c'est con. Non, l'enlèvement est con. J'étais en mode c'est gratuit, mais dans tous les cas, je veux l'avoir derrière, donc le play est pas bon.
Je suis pas sûr de vouloir tenter honnêtement le Hero Power. Il y a vraiment pas mal de trucs bien éclatés. La chance est de mon côté. Non, je vais pas le tenter. Non, le play était pas bon surtout avant. J'ai bugué sur le côté gratos, mais on s'en fout vu que j'ai racheté l'autre, donc c'était nul. J'aime vraiment pas mon board, mais on va voir si on va tuer derrière. Continuez comme ça. Il a 4 serviteurs, ce qui limite la pack du rejeton. Du coup, même si Hero Power sort à board comme ça, bah, ça bosse pas grand chose. Du coup, c'est cool pour moi. Il a du up plus tôt et il a pas touché suffisamment. Il a. Ouais. A mon avis, il a pas roll de fois sur le tour ça qu'il aurait dû. Sur le tour de sa gold. Beau travail. Continuez sur votre lancée. En vrai, il y a beaucoup de pirates. Hein. Pas envie vraiment de jouer pirate avec ce héros, mais. En vrai, avec la 4-2 qui boost, pourquoi pas? Ouais. Pas trop fan. Mais bon, là, je dois la prendre. Hein. C'est une sac-sac en soi avec les deux autres. Ouais. Ah. Un peu la paix qui a pris Hero Power mon prochain tour à mon avis. Oh. Heureusement que j'ai pas touché l'autre, hein. Autrement ça aurait été catastrophe. On va tripler au prochain tour. Niveau timing on aurait été short. Je vais chercher je vais aller chercher un 5. Not bad. Ok. Ça va. Ouais, l'ardeur serait cool. Joueur de corde, ouais, mais j'ai trop hésité. Parce que je sais que pirate, c'est pas ouf en soi que j'en ai. Sauf si tu fais un setup vraiment spécifique pour que ce soit bien. Oh oui, il veut vraiment dire on peut voir là-dessus, hein. Peut-être après un roll. Ouais. Faites confiance au code des pirates. Here we go! Ah, c'est dommage, si j'avais stop Murloc, c'était fumé, mais. Go 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 l'ardeur là. Je peux le tenter. Genre, c'est mieux, c'est mieux. C'est even. C'est even, on va dire, c'est un peu plus faible. On peut le tenter clairement. Ok. Je suis quand même prise pour lui. Placement, 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 placement. Tac, 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 tac. Pirate, sérieux? Non. 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 J'en ai ras le cul d'avoir des mecs qui jouent pirate quand je joue pirate. Non. Continuez comme ça. Décoroco. Non, pas avec l'ardeur, non, non. Je vois Décoroco avec l'ardeur. Pas exagéré. Donc là, en gros, avec Jandes, le Hero Power peut être utile sur la 4-2 là. Mais c'est pas ouf. Mais elle est surtout bien sur la SA4. Et dans ce cas-là, la SA4, je vais tout le temps regarder sur le board et tout le temps booster à mon avis. J'ai gardé un slot pour elle. Ça a quoi des Kuroko pour gagner du temps? Vous vous débrouillez bien. Un choix tactique intéressant. Oh, here we go. Le truc c'est qu'il faut que je les achète pour elle. Non, c'est joué, ok. Juste. Oh, Oli. Gros! Putain! On va recommencer les lags.
Après, ça la joue pas comme ça, ouais, ça joue pas dans tous les cas. Oh, les lags insupportables. J'aurais pu tripler avant pour quand même choper l'autre. Ok. Pas freeze pour ça. Après, l'Argus me tente bien. Hein. Ouais, go l'Argus. Ok. Go l'Argus. Des Coreco pour les lags. Prochain tour, je le ferai. Putain, il faut qu'on le sorte, lui. Hein. Oh, j'ai trop traîné. Tant pis, je le ferai prochain tour. Faut qu'on le sorte, lui. C'est trop une menace. Je pense qu'on le sort. Je vais taunt les deux. Ouais. Je boosterai la furie d'abord si j'ai des boosts. Ouais. Ok. Nice. Vous vous débrouillez bien. J'aurais pu lock la 4-2, mais je peux avoir mieux. Je peux même le faire, c'est quand même un bon boost. On va voir si je la renvoie. Pas trop envie d'envoyer ça en vrai. Mais peut-être. Ah. J'adore surfer les bases. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Mon bouclier pour Argus. De toute façon, je pourrais pas le racheter sourcil, hein. Ouais. Non. Ok. J'ai obligé de décoreco là pour les lags. Je perds trop de temps. Je peux désactiver Internet puis remettre sa décoreco plus rapidement. Si je désactive Internet, j'ai plus. Je cut le stream. Jouer et racheter le pirate de 2 était pas envisageable. J'ai plus les gold. Allez, je bois un peu d'eau. Hop là. J'aimerais bien up quand même. Vas-y, go up. C'est d'avoir un deuxième comme ça. Oh. Oh là là, le talent. Boss Tronk. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah, je pourrais pas l'avoir ce tour-ci. Il y a des Coreco pour appeler. J'ai des Coreco surtout parce que j'avais des lags. C'est ça le problème. Je m'en fous si le triplé. Je pense que je vends, je roll. J'essaie d'avoir surtout la deuxième comme ça. Et surtout la sac 4 pour les Ropower. Ah, il faut la sac 4, ouais. Dommage, j'ai pas eu de draft lore. Fils bad. Let's go. Je vais les garder pour plus tard. Lui bougera lui aussi. Les deux vont bouger là. Il pue la merde. J'ai envie de quand même garder les deux pour un moment. Ça, E2. Triplay, c'est possible quand même, E2. Niveau 6. Fuck. Pas de Coreco, hein. Normalement, c'est... Si j'ai pas de lag, j'ai le temps. Putain, il a 3 toxis. Ok, ça pas attaque la toxie, ça c'est cool.
Ok, c'est cool. Y a pas le tracker, oui, c'est parce que j'ai du déco-reco à cause du bug. À cause des lags, et du coup le tracker a bugué. Avec Jean 10, c'est pas mal, mais. Je pense pas que j'ai envie de jouer avec. Le tracker a planté, j'ai du déco-reco, les gars. Ah bah il a grid lui aussi à up 6, genre. What the fuck, respect les gens. Je pourrais virer ça à la limite. Je veux garder lui. I don't know. J'aime pas tellement ça, je trouve que c'est compliqué de l'optimiser. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Okay. J'aurais choisi le même. Un 3 en 1, voilà votre récompense. Faut que je tente les repouvoir là-dessus, ouais. Ouais, mais j'aurais moins de boost. Ah. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. L'eau des mers, la terreur des marins. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Ha ! On se lance les piques. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Si vous parvenez à rester en tête. Intéressant. Je voulais pas la revendre parce que je voulais la garder pour le refaire si jamais je l'avais plus, mais. Du coup, c'est bon. Je vais pas rebooster de façon L. Elle, j'essaie bien de la booster pour la protéger. En vrai, je pense qu'après, j'essaie de splitter les boosts. Hein. Je pense qu'après, j'essaie de splitter les boosts. Mais autant, je rebooste encore une fois lui. Et une fois autre chose. Je sais pas ce que je vais booster d'autre. Des lardeurs ou quoi. Voilà, c'est pas le roux qui est fumé, c'est, enfin si ça aide, mais c'est surtout le fait d'avoir double capitaine, genre le bonus qui rajoute en plus il est sympa, mais il est pas, c'est pas en mode fucking OP. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. En vrai du joueur fou dans le pool, de toute façon je veux pas le tripler hein. Ah non je veux pas le tripler. Comment je peux plus y repouvoir avec. Faut que je refoute dans le pool. Ah, on se lance des piques. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Ah, on se lance des piques. Un choix tactique intéressant. J'adore surfer les vagues. On se lance des piques. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Ouf. C'est dans la poche. Ouf. Faut que je décore au mais fuck. Ouais, j'ai plein de gold en main. J'ai joué un peu plus vite. Pour full trahir, tu déco comme ça, tu gagnes genre 20 secondes, mais fuck. Vous vous débrouillez bien. Ah! J'en ai plus en main, mais fuck. Ok. Je vais récupérer une de toute façon. Tant que vous le pouvez. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Moi, ça va faire de gros dégâts. Je vais quand même pas prendre Bran avec l'autre, même si ça paraît bien. J'ai perdu des golds dans Swinward, je pense que oui.
Bloque le triple. J'aurais pu en pouvoir peut-être dessus, Mango. J'aime bien trouver ça 4. Moi là ça 4, nice. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Un choix tactique intéressant. On se lance les piques. On se lance les piques. Voyons si vous parvenez à rester. Ah ouais, ça va. Je la garde parce que j'ai envie de pouvoir assurer de lire au pouvoir dessus, mais je suis pas sûr que ce soit correct. J'aurais pu pouvoir la C4 au début du tour et la racheter direct. Ouais, mais je pense pas que ce soit petit en vrai. Ouais. En vrai, auto-assuré, j'imagine. J'aurais peut-être dû arguer sur un autre truc. J'ai vu un Argus que j'ai pas pris, j'ai hésité, mais j'aurais pas vendu. Jouer avec deux taunts. Ouais. Yep. J'avoue, de 3-3 à genre 39-33. Elle a pris tellement de boost. Ciao. Tellement chaud en vrai. J'ai plus trop l'habitude parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire souvent. Le problème c'est que ce genre de truc t'as besoin de le faire, tu vois, pour bien le maîtriser. Bon là il y avait les lags en plus qui ont pas aidé quand j'ai commencé à le faire. Mais c'est un truc que tu dois faire souvent. Et si tu veux vraiment traire, tu vas même faire des décoroco. Mais genre les ordres dans les plays, je les connais plus parce que bah genre en vrai cette coupe là je la fais genre une fois tous les mois, tu vois, parce que bah elle est pas facile à voir et pirate globalement c'est de la merde.